Voici maintenant un environnement un peu plus naturel qui permet aux petites tortues de grandir et de s'adapter à l'environnement où elles vont éventuellement être relâchées. Dans cet enclos, on voit des tortues. On voit qu'elles ont des couleurs différentes et des numéros sur leur carapace. Alors, il y a plusieurs sous-espèces qui viennent des différentes îles, en fait. Sont quand même actives, hein?